dans ma vie aussi, j'ai connu le feu qu'il y a eu à Victoriaville. C'était partie du centre-ville qui avait brûlé. Et puis, je faisais partie des guides à ce moment-là, en 1948. Et on nous avait donné comme charge, j'étais avec Françoise Vallière dans le temps, qui était ma cheftaine chez les guides, et qui vit encore d'ailleurs, Françoise, à 101 ans, là, ou 102 peut-être, qu'elle a eu la semaine dernière. Alors, nous étions, les gens apportaient beaucoup de choses. Étant donné qu'il y avait eu un feu, les gens donnaient ce qu'ils avaient, des vêtements, des choses. Entre autres, je me souviens d'une chose qu'on avait trouvée, maintenant qu'on peut trouver curieux, c'est qu'il y avait une pile de boîtes. Alors, en ouvrant la pile de boîtes, c'était toutes des crucifix qui avaient été donnés pour mettre dans les nouvelles maisons, les nouveaux appartements. Maintenant, on trouve ça un peu passé date, si on peut dire. Tous ces objets qui étaient donnés étaient rassemblés à l'hôtel Manoir, qui était voisin de l'hôtel de ville. Alors, on avait tout le sous-sol, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses. C'était vraiment impressionnant. Ils avaient installé des tables. Alors, il fallait démêler le linge d'enfant, le linge de les bas, les mitaines, les tucs. Alors, c'était notre travail, ce qu'on avait fait. C'est drôle pour me souvenir des bâtisses qui avaient brûlé. Je me souviens pas de ça. Je me souviens surtout du travail qu'on allait faire. Mais pour le reste, là, ça, j'ai oublié. C'est venu au monde d'avoir, oui. Juste en face de l'église, mais aujourd'hui, là, c'est une école qui est là. Avant, il y avait une petite école en arrière de la grosse école. Il y avait des logements, là, des maisons. C'est là que je suis venue au monde. La Wallen qui appelle la manufacture des métiers, là. On a été travailler toute l'avant-midi. Puis quand on a sorti de la manufacture, il y avait beaucoup d'herbes sèches sur le terrain de la... du Sénat. Ils ont décidé de mettre le feu là-dedans pour brûler ça. Ils ont parti, puis on est allé dîner, puis quand on est revenu, tout est en feu. Oui, puis ils ventaient. Le vent, tout le matériel qui brûlait, ça n'allait au vent quand le toit a brûlé. La maison Jean-Paul Barré, bien, était bâtie dans le temps, puis elle était bien faite. Elle était pas dangereuse, là. Mais les petites maisons qui étaient à côté, là, qui avaient une galerie en avant, là. Ça, le feu s'en allait en dessous de ça, il fallait que tu surveilles ça. Tout brûlé. Du matériel, hein. Fait que ça a rentré des murs, puis ça a rentré sur le matériel, puis le morceau par terre. Ah là, on pleurait tout le monde, hein, tout le monde pleurait, voyait ça, ça va pas de bon sens. C'était un gagne-pain, hein, aussi. La work overall, c'était en tissu, tandis que la Wallen, c'était une autre manufacture, c'était pas pareil, mais il y avait du monde. Là aussi, la Wallen était plus grosse. Tout, on n'était pas autant qu'eux autres, là. Mais c'était notre gant, pas une autre. Ah, là, on est tombé sans ouvrage, je sais pas comment que ça a pris de temps. On s'est rétabli après ça au coin de la rue, là. Dans un grand magasin spécial de... Comment il s'appelait? C'était un autre Barré qui avait un magasin. Général. Qui vendait de la nourriture, puis de la moulée, puis tout ça, je pense, en même temps. Mais c'était au coin. Je travaillais là une couple d'années après ça, là. Et puis là, ben ils ont vendu ça, puis ils sont en étant dehors, eux autres. Okay. T'as tout parti, hein. C'est juste Jean-Paul. S'il y avait eu des garçons, peut-être, que ça n'aurait pas été la même chose. Il aurait peut-être gardé la manufacture. Il aurait peut-être reconstruit ou autre chose. Mais vu que c'était des filles, il était parti déjà en dehors, eux autres. Fait qu'ils n'ont pas reconstruit. Mon père a tombé à rien faire. Fait que là, il a recommencé à travailler à l'école. Il avait à soin des enfants à l'école, là. Puis là, ben, qui gonfle. Puis moi, après ça, ben là, c'est ça, j'ai travaillé à l'imprimerie ligne. Oui. Oh, oui, j'étais une fonceuse. Ben, j'aimais ça travailler parce que mon père avait besoin aussi. C'était chauffé au bois, là. Hein.
Puis, quand ils faisaient pas attention, là, quand ils s'en allaient le soir, il fallait que ça soit éteint. S'ils l'éteignaient pas comme il faut, ça se promenait, ça, le feu, là, ça sortait de... Puis, si ça trouvait quelque chose à brûler, ça brûlait. Puis, il y a une couple de moulins qui ont brûlé. Mon père, puis son frère, là, Delphis, Guillemette et frère, ils ont toujours bâti. Ils n'ont pas tout brûlé, là, mais il y en a un moulin qui a brûlé complètement. Puis, ça, c'était triste. Ça se passait la nuit, surtout, hein, quand on était couché. On peut s'imaginer que dans un moulin assis, il y a du brintier un peu partout. Et avec le temps, il est très sec. Ça brûle comme de poudre de canon. On avait la rivière, là, puis il faisait la chaîne. Puis, mais tu sais que ça en prend des chaudières pour éteindre un feu. Hein? Mais il y avait pas mal de monde qui collaborait. Puis, il y avait des gens qui venaient les aider aussi, pour le plaisir de travailler. Ils faisaient des billes. Ils appelaient ça un billet, un groupe de gens ramassés dans ma journée. Ma mère avait un harmonium dont elle jouait beaucoup. Elle était bien bonne. Et j'ai deux de mes sœurs qui jouaient du violon. Alors, la musique était bien présente. Et puis, c'est pour ça qu'il y avait la danse aussi. Ils ont joué beaucoup les rilles. Ils ont joué des rilles souvent. Puis, quand mon frère plus jeune est devenu assez capable pour jouer à l'harmonium, c'est lui qui a pris la relève de ma mère. Et il a joué de l'harmonium beaucoup. Avant la guerre, moi, j'étais le 13e de la famille, les plus vieux, ça s'amusait comme tout le monde. Le 2e, Clément, il avait appris à jouer du violon à l'oreille. Il n'était pas un musicien de notes, non. Et il était bon, je me souviens de lui après la guerre, parce qu'il avait fait la guerre. Quand il est revenu de la guerre, il a sorti le violon une fois. Il avait joué un rigolon. Il avait bien aimé ça. Moi, j'aime beaucoup la musique. Il n'a jamais joué. C'est dommage, mais c'est comme ça. Pourquoi? Je ne sais pas. La guerre, ça change bien les choses. Quand tu la vis, deux de mes frères ont fait la guerre. Ils sont venus vivants. Non, il avait acheté un monsieur particulier. Puis ma mère, elle savait jouer. Puis elle l'a montré à mon frère. Elle jouait bien, ma mère. Elle jouait pas juste des rigodons, là, de quoi de vraiment beau. Ah oui. C'est dommage, dans ce temps-là, on n'avait pas de. On ne pouvait pas filmer, on n'a pas rien de souvenir de ça. C'est le long, dessus, c'était en érable. Dessous, c'était du pain ou le sapin. Le dessous du violon, c'était comme ça. Puis il l'achète, il le faisait lui-même. Il prenait du crin de cheval, du cheval, là. C'est avec ça qu'il faisait les achats. Moi, c'est le frère de notre mère. C'est lui qui faisait ça, à Saint-Célestin. Il jouait quand il était tout seul. On aimait ça des fois qu'il joue, mais ça ne tentait pas tout le temps. Il aimait mieux quand il était tout seul, là, il jouait. Ma mère a joué des berceuses, pas juste des rigodons. Ah oui, elle me fait plaisir. Il y a une de nos petites sœurs, la plus jeune, quand elle attendait le violon, elle pleurait. Ça faisait pleurer. Je me souviens d'avoir dansé assez jeune. La gigue, on appelait ça la gigue parce que il y en avait qui dansaient seuls la gigue,
Puis il y en avait d'autres qui dansaient des sept carrés. C'était aussi beaucoup de la gigue, ça. Et les sept carrés, il y en avait dans la maison chez moi. Des veillées de plusieurs personnes, et ça durait comme 3-4 heures, là. La musique et puis les petites gâteries de la maison avec le sirop d'érable, la tire, on s'en servait. Notre maison était assez populaire. Ça, il faisait beaucoup de veillées là-dessus, puis on allait danser, là, un coup on avait grandi, on allait danser, on s'amusait, là. Il y en a qui giguaient, puis il y en a d'autres qui faisaient d'autres choses, ils chantaient. On s'amusait bien dans ce temps-là, mais maintenant c'est plus pareil. Tous mes frères, là, puis les étrangers même, ils étaient tous là. Ah oui, c'était apprécié. C'était merveilleux. Ça serait à refaire aujourd'hui. Oui, j'ai vu la gigue à deux, puis il se tenait la main. Des fois, il se faisait le tour, puis tout ça, là. Nous autres, on essayait de faire pareil, mais c'est drôle. Ouais, mon père, il était gigueur, lui. Ah ouais, il était bon. Mais quand il a commencé à être âgé un peu, là, ben là, ça gigue moins un peu. Thank you.